Chers amis internautes, bonjour. Assemblée nationale, le meilleur informe que les députés entament la session budgétaire ce jour. Fraternité explique que ce jour 26 octobre, le président de l'Assemblée nationale, maître Adrien Rumbéji, va procéder à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'institution parlementaire pour le compte de l'année 2017. La cérémonie officielle d'ouverture de cette session connaîtra la présence des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, des membres des corps diplomatiques et consulaires à Crédité au Bénin, des autorités politico-administratives, du recommandement militaire et d'autres personnalités de la société civile. Cette session connaîtra de l'étude du projet de budget général de l'État gestion 2018. Projet de construction d'un marché de gros du Grand Noukoué dans la commune d'Abomekalavi, fraternité à l'issue d'un entretien avec le directeur adjoint de cabinet du ministère du cadre de vie et du développement durable, en déduit que les grossistes du marché de Dantokpa seront tous appelés dans les prochains mois à rejoindre le marché de Gros qui sera créé à Boumekalavi. Quant aux détaillants, ils ne sont pas concernés dans cette délocalisation. Mieux, il n'est pas dans l'intention du gouvernement selon l'autorité ministérielle de délocaliser entièrement le marché international de Tantokwa. Situation sociopolitique nationale, Fraternité nous apprend que la Conférence épiscopale du Bénin lance un appel au gouvernement à cet effet. Mieux, le challenge révèle que la Conférence épiscopale du Bénin s'intéresse à la situation sociopolitique actuelle. A en croire Fraternité, la Conférence épiscopale du Bénin s'est réuni du 22 au 25 octobre 2017 à Porto Novo pour sa première session ordinaire au titre de l'année pastorale 2017-2018. Au cours de la rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, que ce soit sur le plan ecclésial ou sociopolitique. Sur le plan sociopolitique, les évêques du Bénin se disent très préoccupés par la situation qui prévaut au Bénin, marquée par des tensions, dont des mouvements sociaux et des grèves. Ils sont particulièrement touchés par la grève des agents de santé qui perdure depuis quelques semaines. Et dont les conséquences sont dramatiques pour les malades. Pour la nation, les évêques prônent une sortie de crise dans le secteur de la santé. Outre cela, la nouvelle tribune complète que le clergé déplore la précarité et la pauvreté ambiante des populations. Ils ont par ailleurs exprimé leur proximité au peuple togolais qui traverse une situation de crise désagréable et prie pour le retour de la paix sans laquelle aucune nation ne peut se construire et se développer. Recensement administratif à vocation d'identification de la population, notre voix estime que le pays doit passer avant car rien ne presse. Le journal invite le gouvernement à éviter des crises inutiles. Notre voix révèle l'existence d'un malaise profond au sein de la commission politique de supervision. L'indépendant, quant à lui, nous apprend que face aux manipulations politiques et instrumentalisation de la lutte syndicale, le sgcsa Bénin apporte son soutien à la concrétisation du recensement administratif à vocation d'identification de la population et se désolidarise de tout mouvement de fronde que le journal qualifie de complot contre le Ravip. Ce qui amène Libération à inviter le peuple béninois à ne pas se laisser distraire avec la polémique autour du Ravip. Ce qui amène le télégramme à en manchette « Ravip, Anselme Amoussou » se démarque et clarifie la position de la CSA. Le génie renchéri est fait savoir que selon le communiqué rendu public par le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, la marche organisée le 20 octobre dernier par les travailleurs ne Jamais prononcé contre la réalisation du RAVIP. La CSA Bénin n'a jamais été membre d'un quelconque front politico-syndical appelant au boycott de la dite opération. À l'issue d'une séance d'information organisée par le comité technique de pilotage du RAVIP, la CSA Bénin retient que le RAVIP a vocation de doter le Bénin d'un état civil sécurisé pour tous les Béninois. Bien réalisé, le RAVIP pourrait même servir de base à la réalisation d'une liste électorale fiable et moins onéreuse. Migration politique à Djougou, le Béninois libéré renseigne que les FCBE de la dite localité rejoignent l'Alliance ABT. Ainsi, Matin Libre estime que plus rien ne peut empêcher la destitution du maire de la commune de Djougou, Alassane Zoumarou. Car hier, en prélude au vote de défiance prévu de se tenir ce jour, jeudi 26 octobre 2017, et à l'élection prochaine d'un nouveau maire, les conseils élus par le truchement de l'Alliance Force Corrie.Béné Émergent, FCBE, ont effectué une déclaration qui vient seuler le sort du maire lui-même élu FC. Mais ce qui est déplorable selon Matin Libre, c'est qu'en faisant allégeance à l'alliance ABT et au gouvernement en place, en offrant la tête d'un élu FCBE sur un plateau, ils ont pris l'engagement que le prochain maire ne sorte pas de leur rang. Ce qui amène le journal à arriver à la conclusion selon laquelle la décentralisation est en berne sous le régime du président Patrice Talon. Attaque contre l'ancien chef de l'État dans le dossier common SA et si on connaît la paix à Yaï, indique Matin Libre en manchette ce jour. Selon le quotidien, le nom de l'ancien président Thomas Boniyahi est injustement cité dans la nouvelle affaire Kajaf-Komone qui défraie depuis peu la chronique. Il s'agit simplement d'un plan visant à salir l'image de l'ancien président de la République du Bénin qui a marqué de nombreux Béninois sur plusieurs plans. Lutte contre le grand monétisme au Bénin, le Télégramme nous apprend que dans la commune de Banté, cinq personnes ont été arrêtées avec 36 millions de faux billets de banque. Selon les informations du journal, il s'agit d'une bande organisée de faussaires spécialisée dans le faux et usage de faux. Ils seront présentés au procureur les jours à venir, annonce le Télégramme. Le canard invite par ailleurs la population béninoise à faire preuve de grande vigilance lors des différentes transactions monétaires. Crise au Togo pour finir. Soleil Bénin Info annonce pour ce week-end, précisément le samedi à Cotonou, une marche pacifique contre le président togolais fort et sans Yassinbe par les togolais résidents au Bénin. Ceci en réponse à l'appel du leader du parti togolais d'opposition, le parti national. Pan-Africain PNP, présidé par Chikwi Achadam.